Oui, belle victoire, mais on s'est juste donné l'opportunité, on s'est juste donné la chance de faire un troisième match. Un match qui certes a lieu à Caen, mais ce n'est pas tout. Je crois qu'il faut rester mobilisé, il faut rester dans notre bulle, rester très concentré avec l'idée qu'on avait la semaine dernière, c'était voué à l'échec. L'idée qu'on avait hier soir, c'est plutôt quelque chose d'intéressant. Donc l'objectif, c'est défendre fort pour empêcher l'adversaire de mettre en place son jeu, fait de jeu rapide, fait de rebond et fait d'adresse à 3 points sur quelques joueurs. Ouais, c'était l'enfer de Normandie, je crois. Je crois que le Palais des Sports plein comme ça, on l'espère encore plus plein demain pour qu'on soit capable de ramener Caen en National 1. C'est l'objectif de tout le monde. On en est encore loin, le plus dur commence. Remporter ce match-là serait non pas un exploit, mais un gros travail d'équipe. On l'a vu sur la victoire d'hier. L'avantage, c'est que tout le banc a apporté quelque chose, a défendu et a été capable d'apporter sa pierre à l'édifice quelque part. Je pense à Marco Brunel en défense, à Claude, à Fabien, qui sont des joueurs sans doute un peu moins utilisés parfois. Mais là, hier, il y a 9 joueurs qui ont joué plus de 15 minutes. Et ça, c'était de bon augure dans l'idée des 2 matchs en 3 jours.